Démarrée à 6h du matin dans la commune de Yopougon, la caravane balai devant ta porte a traversé 6 communes du district d'Abidjan, au nombre desquelles Cocody et Trècheville. À travers cette campagne, la NASUR, Agence nationale de salubrité urbaine, entend inculquer aux populations la culture de la propreté. Le premier message, nous demandons aux populations de ne sortir les ordures qu'une fois par jour. Les ordures ne doivent sortir qu'à partir de 16 heures. Le deuxième message, il faut que les populations, les commerçants, les ménagères emballent les déchets dans des sachets ou des sacs poubelles. Et le troisième message, nous voulons préparer les mentalités. Aujourd'hui, il s'agit que chacun comprenne que quand il salit, il doit payer. Des kits de salubrité composés de balais, de gants, de sachets et des seaux sont remis à tous. L'idée est de leur permettre d'avoir les moyens de leur action et celle-ci est favorablement accueillie. Je ne conçois pas que quelqu'un qui veut vivre dans un bon environnement ne puisse pas balayer devant sa porte. Parce que quand on ne balaye pas devant sa porte, c'est la maladie. Je souscris tout à fait à l'opération que vous voulez de faire ce matin. L'opération Balai devant ta porte se tient chaque premier samedi du mois. Rien qu'en 2012, 7 éditions ont été organisées à travers le district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays.